vivre ensemble dans la paix pour le développement. Il ne faut pas que les oppositions politiques entraînent des conflits intercommunautaires. Ça n'a pas de sens et ce n'est pas normal. Parce que dans chaque parti politique, il y a de toutes les communautés et de toutes les ethnies. Qui vous dit que parmi ceux que vous allez aller agresser, il n'y a pas des gens qui sont membres de votre parti politique? Il y a du tout. Donc ce n'est pas, je ne comprends pas comment on peut arriver à faire des conflits communautaires pour des raisons politiques. On l'a dit partout. La politique est une réalité. Il faut laisser la politique aux politiciens et le champ de bataille de la politique, c'est les campagnes électorales et les urnes. Mais nous, vous, on doit vivre ensemble au quotidien. Il y a eu 4 morts, 4 jeunes dont l'avenir est brisé. Les parents ne les verront plus. 172 blessés. Je suis sûr que parmi ces jeunes-là, il n'y a même pas un qui a eu l'honneur et la chance d'être reçu, même par un ministre un jour. Mais c'est eux qui souffrent aujourd'hui dans leur chair. La politique, on a logique. Et comme je l'ai dit, quand ça va entre nous, les politiques, mais on n'appelle pas les jeunes. Mais quand ça ne va pas, on demande aux jeunes de porter nos désaccords. Ce n'est pas normal. Parce qu'au moment où on s'entend, on sait sur quoi on s'entend, mais les jeunes ne sont pas témoins. Mais dès qu'il y a un problème, on dit allez gâter. Ou bien allez faire ceci. Je vous en prie, chers jeunes, ne gaspillez pas votre énergie, ne gaspillez pas votre avenir dans des conflits à cause de la politique. Et bien souvent, quand les jeunes sont blessés ou décèdent, il n'y a personne pour les aider. Il n'y a personne pour les aider. Donc je vous en supplie, chers jeunes, prenez en main votre destin. Nous, au sein du gouvernement, nous sommes engagés à une politique pour prendre en charge les jeunes qui veulent travailler en finançant leurs projets. C'est ça, un programme de développement, un programme d'accompagnement. Daoukro ne peut pas être le théâtre de conflits communautaires. Ce n'est pas possible. Parce qu'ici à Daoukro, les peuples sont mélangés. Nous connaissons tous votre député, Olivier Akoto. C'est mon jeune frère, avec qui il y a des liens d'affection très forts. Il m'a invité ici, vous vous souvenez, pour parrainer le festival de Daoukro. Il est venu me voir souvent, me parler des jeunes de Daoukro, à promouvoir, à aider. Il a du PDCI. Je suis du RHDP, mais alors pourquoi lui et moi, on doit gâter ce qui est entre nous? Pour quelle raison? Pour quelle raison la sincère amitié et affection qu'on a, pourquoi on doit le détruire? Parce qu'il y a des paroles politiques. Mais la politique, là, c'est comme le sport. Il y a une compétition. Toi, tu dis, voilà mon candidat. Moi, je dis, voilà mon candidat. Chacun va vanter son candidat. Mais si moi, je dis, voilà mon candidat, toi qui dis que tu as marché pour dire pourquoi j'ai choisi mon candidat. Mais quand toi aussi tu as ton candidat, moi aussi j'ai dit je vais marcher pour dire pourquoi j'ai choisi ton candidat. Alors que chacun doit faire sa promotion. Ne doit pas aller contre l'autre. Sinon on ne s'en sortirait pas. On ne va pas s'en sortir. Moi j'ai choisi ton candidat, j'ai choisi mon candidat. Chacun fait campagne, bilan contre bilan. Et puis les gens votent. Et la vie continue, et la vie va continuer.